Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose une séance de gym douce, petite séance où on va tonifier la totalité de notre corps, mais séance que l'on va faire debout. Donc, on n'aura pas besoin, il n'y aura pas de partie au sol, donc on n'aura pas besoin de tapis. Du coup, vous n'avez besoin que de vos baskets et de votre bouteille d'eau. On commence de suite par s'échauffer. J'espère que vous êtes en forme. Allez, ici, j'écarte mes jambes. J'inspire et je souffle. Inspirez. Souffle. Dernier ici, je croise mes mains, je pousse mes paumes de main vers le plafond. J'inspire, je souffle, j'étire sur le côté. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et je relâche. Allez, on étire notre nuque comme d'habitude. Toujours faire attention à nos cervicales, donc on échauffe cette nuque, je relâche, allez, petit mouvement de tête, à droite, à gauche, et mouvement de bas en haut, allez, ici, menton, poitrine, on fait un petit cercle dans un sens, et dans l'autre sens. On revient au milieu. Allez, on monte ses épaules et on tire ses bras vers le sol. Inspirez et soufflez. Ici, on amène les épaules en avant et en arrière. Allez, paume de main vers l'arrière, paume de main vers l'avant. Et on enroule. Allez, on travaille un petit peu nos épaules, on échauffe. On va faire des rotations de bras vers l'extérieur. Petite flexion sur les côtés pour commencer à échauffer nos articulations. Et dans l'autre sens, vers l'intérieur. Allez, ici tout doucement on descend. Petite flexion. Je descends jusqu'en bas, je remonte tout doucement. Je referme. Allez, petite rotation ici de notre bassin. Et on part dans l'autre sens. Allez, dernière rotation. Ici, je m'occupe de mes hanches. Et dans l'autre sens, vers l'intérieur, on ouvre et on ferme. Allez, ici, on va faire des petites flexions. Donc, je vous montre le profil. On va venir ici tout simplement amener un bras devant, un bras derrière, tout en faisant des petites flexions. Allez, les fesses bien en arrière. Et un, deux. Change de côté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, serrez bien vos poings, 7 et 8. On relâche. Allez, ici, moi bon, je vais montrer toujours de profil. Je vais amener ma jambe loin derrière. Donc pareil, les bras ici en prolongement de ma jambe et de mon buste. Je prends bien l'appui sur ma jambe gauche. Je remonte et j'amène, je jointe mes mains sous ma cuisse. On est prêt? Allez, on est parti. Et un, grandissez-vous. On souffle en remontant. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit et encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
On décontracte les jambes. Même chose de l'autre côté. Allez, on éloigne notre jambe. On fait attention au positionnement de mon genou. Les bras à la verticale. J'inspire, je souffle et je monte. 1, 2, 3. Allez, on éloigne bien cette jambe derrière. 4, 5, 6, 7, 8 et encore. 8, 7, 6, 5. Un petit peu nos abdos. Donc ici, je vais monter mes genoux. Donc ici, mes deux mains, je mets mes mains à peu près à 90 ici, un angle à 90. Je monte mon genou et je vais venir toucher ma pointe de pied. Donc mon genou touche, mon genou touche pied, mon genou touche pied. Allez, on est parti. Et 1, 2. Alors bien sûr, on se tient bien droit, on se gaine. On contracte bien notre transverse. Ce n'est pas mon buste qui descend, c'est mon genou qui monte. Soufflez en montant ce genou. Allez, encore. Donc là, on travaille nos abdominaux, mais également nos cuisses, et plus précisément, l'intérieur de nos cuisses également. Encore. Et 4, 3, 2, 1. J'inspire, je souffle. Ici, on va descendre en appui. Donc, je me mets un peu plus sur le côté. Donc, bien sûr, les fesses bien en arrière. Et chaque fois, quand on part sur le côté ici, j'ouvre et je pousse mes fesses en arrière. Mon genou ne vient pas, je ne laisse pas partir mon genou vers l'avant. C'est mes fesses qui partent vers l'arrière et je descends dos droit. Ici, je contracte bien mon centre. Donc, je me mets bien sur le côté, on descend et je lève sur le côté et je descends. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et encore 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et ici je lève, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je relâche, l'autre côté. Descend et on lève. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 7, 6. Vous avez la possibilité de vous arrêter au premier, à la première série. 2, 1, et on vient ici, 1, 2,
Donc, ici, on va continuer avec nos abdominaux. Donc, on va de nouveau bien se gainer. Hein. Toujours ce transverse bien contracté, surtout à l'expiration. Hein. Donc, vous soufflez, vous contractez ici votre transverse et vous contractez également votre plancher pelvien. Hein. On contracte toute cette région, tout notre sangle abdominal pour bien maintenir nos lombaires, pour bien maintenir ici nos organes en place. Toujours les épaules basses. Donc là, pareil, je vous montre de profil. Donc on va faire un lever de jambes. Donc on va commencer avec les bras en haut. On va juste amener les bras. Donc en levant la jambe, on amène les bras à la jambe. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de lever trop haut. Si vous arrivez qu'à ce niveau-là, ça me va aussi. Ce que je veux pas, c'est que votre buste descende. Donc restez bien droit. Et surtout, soufflez quand vous levez la jambe. Allez, j'inspire et je souffle. Et un, on alterne. Deux. Soufflez bien, rentrez sur l'angle. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Seconde série, récupérer, inspire, on souffle, seconde série, allez, j'inspire, je monte mes bras, et 1, 2, les bras bien tendus, 3, hein. Et la jambe bien tendue, 4, 5, 6, 7, 8. Je relâche. Autre exercice. Allez, on va s'occuper maintenant de nos bras. Donc ici, on va se mettre en position jambes et carbassin. On va monter ici nos coudes hauteur des épaules, les mains bien flexes. Et on va faire juste des petites rotations vers l'arrière. Donc on va travailler ici, tout l'arrière de nos bras. Allez, on est prêt. Bien sûr, on se gaine. Hein. Notre centre est engagé. On se grandit. On garde nos coudes bien hauts. Et petite rotation vers l'arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, cherchez bien derrière. 7, 8 et encore. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dernier, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous avez dû le sentir au niveau de vos épaules. Allez, enroulez un petit peu. On va faire la même chose, mais avec des rotations vers l'avant, allez en position, prêt, et vers l'avant, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dernier, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Allez, le prochain, ici, paume de main vers le sol. Donc ici, on va donner deux coudes. Deux coups de coude vers le bas et deux coups de coude vers le haut. Prêt ? On y va. Et 1, 2, allez bien tonique, 3, 4, 5, 6, 7, allez en haut, 8, et 8, 7. 6, 5,
vite. Oh, relâche. Allez, vous avez bien dû sentir travailler. Là, on agit ici sur cette graisse qui s'accumule généralement à ce niveau-là. Allez, on laisse un petit peu nos épaules tranquilles. On va faire de nouveau un exercice pour nos abdominaux et pour également l'intérieur de nos cuisses. Donc, on va repartir de nouveau en squat. Donc, largeur bassin. J'inspire, je souffle, je contracte ici mon centre pour bien maintenir. Les mains ici sont serrées. Je presse avec mes mains, comme ça je travaille également mes pectoraux. Et je descends ici tout doucement, fesses bien en arrière. J'essaye de descendre aussi bas que mes genoux. Si je ne peux pas, je m'arrête avant. On descend, je souffle, je remonte. Une fois que je suis en haut, je vais balancer mes bras d'un côté et le pied ici, en ouvrant mon ouverture ici, je balance le pied de l'autre côté. Donc j'inspire, je descends, je presse bien au niveau de mes mains et je souffle. Je reviens face à vous. Allez, on est parti. J'inspire, je descends, je souffle, je me relève. Et on envoie. Inspire, souffle. Ah ben, je me trompe de côté. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Allez, et un. C'était la mise en route. Deux. Ouvrez bien votre pied. Trois. Descendez bien. Quatre. Allez, on souffle en remontant. 5, 6, on tourne bien son buste, 7, et 8, on relâche, on secoue, allez, on va venir ici, talons, fesses, bras bien tendus pour récupérer de façon dynamique. Sur ses cuisses. Allez, dans le même esprit, on jointe nos mains et là pareil, on va venir balancer d'un côté et de l'autre. Alors bien sûr ici, on maintient son centre bien contracté. Donc je suis ici et je balance d'un côté et de l'autre. Et un, deux, trois. On contracte son centre. 4, 5, 6, 7, 8. Et encore. 8, 7, 6, 5, 4. Allez, vous sentez votre travail travailler. 3, 2, 1. Je relâche. On reste dans le même esprit. Cette fois-ci, les bras bien tendus. Donc, toujours souffle sur mes jambes. Ici, je vais faire un petit 8. Donc là, pareil, tout mon bassin est fixe. On va travailler que le haut ici. C'est ce haut qui va bouger. On va bien contracter ici son centre. De façon à bien travailler ici nos obliques. Donc, les bras sont bien tendus. Descendez bien vos épaules. Allongez votre nuque. Et on va faire juste un petit 8. Et on va essayer d'aller le chercher assez loin. Bien bouger le haut de son buste. Allez, je fixe ici, bras bien tendus, et on y va, tranquille au départ, et un, on va accélérer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 8, allez on accélère, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on relâche. Donc vous avez dû sentir ici les muscles, vos obliques ici se contracter par rapport à ces mouvements-là. Allez, je relâche. Un autre exercice pour, toujours pareil, le haut de notre corps, nos épaules. Donc cette fois-ci, on revient se mettre paume de main vers le sol, toujours ici, mes coudes
au niveau de mes épaules. Je maintiens mon centre. Et ici, je vais juste ouvrir et pousser vers l'arrière. Et je reviens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et encore. 8, 7, 6. On souffle. Je ne sais plus à combien je suis. Oh, c'est pas grave. On recommence. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Attention, là, on reste. Et 1, 2, 3, 4. Descendez par vos bras. 5, 6, 7, 8. Et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. On enroule. Allez, autre exercice. Je me remets de profil. On va continuer à travailler nos abdominaux, également nos cuisses. Donc, ici, je suis largeur bassin. J'inspire, je maintiens mon centre. Je souffle ici, je descends tout doucement. Je vais poser mes mains au sol. Et je vais inspirer, souffler. Je recule une jambe, je suis sur la pointe des pieds. De façon à me retrouver presque à quatre pattes, les genoux à 5-6 cm du sol. Je reviens, je monte sur la pointe des pieds. On est parti. Allez, j'inspire et je souffle. Recule, recule. On maintient bien ici. Par contre, quand on est ici, on maintient bien son dos. Comme il faut, on allonge sa nuque. Je reviens et je me grandis. Et 1. On redescend et on reste. Allez, allongez cette nuque. J'inspire, je souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens, je monte. On redescend. Hop, hop. Allez, on est bien ici en position. J'inspire, je souffle. Je monte sur ma pointe des pieds et je viens ici faire chien tête en bas. Je pousse ici au maximum. Mon dos bien droit, je monte sur la pointe des pieds, je redescends. Et de 2, 3, 4, 5 et 6. Je ramène et je déroule mon dos tout doucement. Un coup et on continue. Allez, on se réhydrate un petit peu. Celui-ci l'a donné chaud. Vous allez vous sentir vos abdominaux travailler, mais également vos cuisses, puisqu'on était en gainage. Donc, on continue pour la suite. On va travailler un petit peu nos bras, et également nos cuisses et nos fesses, donc les jambes bien écartées, pointe de pied vers l'extérieur. On va descendre en squat sous moi, alors bien sûr ici on pousse le bassin en avant et les genoux vers l'arrière. Hein. On essaye de les aligner à nos pointes de pied. Je descends bien ici, j'inspire, je pousse mes bras de chaque côté et je vais venir essayer d'aller chercher sur les côtés. Allez, là je travaille ma taille et encore. 4, 3, 2, 1, je ne bouge pas.
et je ferme et j'ouvre. Et 1, 2, 3, ça chauffe. 4, 5, 6, 7, 8, et je monte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je tends et je remène. Et côté, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je plie. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je reste et j'amène. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je relâche et je referme. Allez, on secoue tout ça. J'inspire et je souffle. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez. Allez, on continue. Donc ici, on va venir se mettre largeur bassin. Donc on se tient bien droit, on engage bien notre centre ici. Donc les bras bien tendus, j'inspire, je souffle, je pousse mes fesses en arrière. J'ai les jambes bien tendues. Et je descends tout doucement le dos bien droit. J'inspire ici, je monte mes bras et je tourne. J'inspire, je souffle, je redescends. Allez, poussez les fesses en arrière, allongez votre nuque, rentrez bien ici. Votre nombril, j'inspire, je me grandis et je tourne le buste. Allez, on est parti. Inspirez. Soufflez. Et 1. Soufflez bien. Dernier. 6. Ici, même chose. Sauf ce qu'on va descendre. On se met en position, donc on maintient bien son centre ici, on est bien gainé. On va soulever les talons. Allez, on se gaine, on se gaine. Si on n'a pas ici notre transverse engagé, notre centre engagé, on ne pourrait pas tenir. Allez, j'inspire, je monte, je suis toujours sur la pointe des pieds. Et je tourne. Et je redescends. Souffle. Allonge. Pousse les bras vers l'arrière. Toujours sur la pointe des pieds. J'inspire. Et je tourne. Allez, dernier. Ici, je reste. Je pose talon et je remonte. Allez, 1, 2, 3. Allongez-moi cette tenue. Poussez les épaules vers l'arrière. 4, 5, 6, 7, 8. Je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je déverrouille mes genoux et je remonte.
remonte tout doucement. Allez, on secoue. Vous avez dû sentir également ici le travail au niveau de vos cuisses. Allez, le prochain pour notre dos, on continue ici un petit peu le même travail. Donc on va venir descendre. Alors les genoux sont déverrouillés cette fois-ci. Vous descendez. Alors je vous montre de profil, c'est plus facile. On descend toujours ici. Donc on maintient hein, toujours notre centre bien engagé. Les fesses légèrement derrière. On va juste ici pousser nos bras vers l'arrière. On resserre nos omoplates. J'inspire. Et je souffle, je redescends tout doucement. Allez, ça c'est pour notre dos. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ne laissez pas partir votre ventre. Huit. Et je vais tirer mes coudes. Et un, deux, trois. Allongez ce tenu. Quatre, cinq, six, sept, huit. Je reprends. Et un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me remets face à vous. On tire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tends mes jambes. Et je vais tourner ici sur le côté. J'amène mon buste sur la jambe gauche. Je laisse tomber bien comme il faut. Ici, tout mon buste, ma tête. J'inspire, je reviens milieu. Et je souffle, je tourne de l'autre côté. Inspirez, soufflez. Je reviens milieu. Je déverrouille mes genoux. Et je remonte dos, contour, doucement. J'inspire. Je souffle, je croise mes mains et je creuse mon ventre, je pousse et je redescends au sol. Inspirez, soufflez, remontez, déroulez votre colonne vertébrale tout doucement. La tête et les épaules en dernier. Allez, on va étirer tout ça. On va ici pousser les fesses en arrière. On étire nos jambes. Sentez ici l'étirement au niveau de vos ischio-jambiers et de vos mollets. Remontez bien ici vos orteils. J'inspire, je souffle. Le bassin est bien parallèle ici. Et je vais reculer la jambe. Allez, je tends. J'étire ici mon psoas. J'inspire, je souffle. Je pose mes mains. Je ramène. Je déroule. Allez, même chose de l'autre côté. Je remonte bien mes orteils. Soufflez bien. On recule la jambe. Tendez bien cette jambe. Je pose mes mains. Je ramène. Je déroule tout doucement. Allez, ici, j'inspire, j'étire, on monte le bras droit, le bras gauche, montez-moi ces bras le plus haut possible. Allez, ici, j'amène mon bras ici derrière, j'attrape mon coude, je maintiens bien mon bassin, j'inspire, je souffle et je pousse ici, sur le côté pour étirer tout mon oblique. J'inspire, je souffle l'autre côté. Allez, on va étirer ici nos épaules. De l'autre côté. Je relâche. Main derrière le dos. Ici, je descends, fesses bien en arrière. Et je monte ici mes bras le plus haut possible. Allez, j'étire mes épaules. Je continue d'inspirer, souffler. Essayez d'amener le plus loin possible vers l'avant. Et je relâche. Je remonte dos rond. Allez.
va étirer notre quadriceps. Allez, venez ici. Tendre la main pour bien garder l'équilibre. Si vous voulez, vous venez vous appuyer contre un mur. Gardez les genoux bien côte à côte. Poussez un petit peu le bassin en avant. Montez ce pied vers la fesse. On relâche l'autre côté. On prend tout le poids sur l'autre jambe. Jambe d'appui, inspirez, soufflez. Allez, sentez l'étirement. Je relâche. On va poser ici le pied sur notre haut de, bas de cuisse. Et ici, je vais étirer mes fessiers. Toujours pareil, si vous manquez d'équilibre, venez vous appuyer contre un mur. L'autre côté. Allez, on descend tout doucement le bassin en avant. Allez, on étire ses fessiers. Et je relâche. Allez, j'inspire. Je me grandis. Et je souffle. Et voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me mettre des commentaires, comme ça je saurai comment vous avez fait votre séance, comment vous l'avez ressenti. Toujours important pour moi d'avoir vos retours. Continuez à pratiquer, maintenez-vous en forme. Essayez de faire différentes séances dans la semaine de façon à travailler la totalité de votre corps, suivant bien sûr vos capacités et suivant vos envies. J'essaye de vous faire des séances toujours un peu différentes de façon à ce que vous ne vous ennuyez pas dans votre pratique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine séance. Au revoir.